Comment lire les capillaires de microhématocrites sur le lecteur circulaire? Placez le capillaire dans la fente prévue à cet effet sur la plaque de plastique du lecteur. Je vais zoomer. Ajustez le zéro. Donc, vous devez ajuster la jonction plasticine et culo-érythrocytaire sur la ligne noire de la plaque en modifiant la position du capillaire, soit vers le haut ou vers le bas. Ajustez le volume total. Il faut positionner le bouton métallique que vous voyez ici à la gauche de la plaque de plastique et en tournant la roue du dessus seulement et en maintenant le bouton à coller, ajustez la ligne serpentine noire du lecteur au volume du plasma total. Ajustez le culot en tournant les deux roues maintenant. De façon simultanée, ajustez la ligne serpentine noire à la jonction culo-érythrocytaire couche leucoplaquetaire. Donc, il faut exclure la couche leucoplaquetaire. Vous voyez, ma ligne serpentine est à la transition globule rouge et couche leucoplaquetaire. Et vous faites la lecture tout à fait en bas de la bande de plastique.